Hop, 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 hop. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de cette série du mode à la mode. On est aujourd'hui sur le circuit d'Interlagos pour découvrir ensemble un nouveau mode pour Assetto Corsa. On est sur PC évidemment et on va s'attaquer aujourd'hui à la Formula RSS 2. Et on attaque surtout à l'extérieur, ça a l'air de passer. Alors, le mode RSS 2, vous en avez déjà eu un petit aperçu avec un onboard en compagnie de Charles Leclerc sur le circuit de Valencia en Espagne. J'espère que d'ailleurs ça vous a plu comme petite découverte. Et aujourd'hui, on va le tester un petit peu ensemble. Alors, j'ai rajouté quelques skins. Vous allez sans doute découvrir des skins de McLaren, etc. Mais j'ai pris 2-3 trucs sympas qui traînaient sur Race Department. Hop, et là, on s'est fait un peu pousser. Alors, le but de cette vidéo, qu'est-ce que ça va être? Eh bien, ça va être 3 petites courses comme on en a l'habitude, avec quelques tours sur des circuits un peu différents pour voir un petit peu ce que donne ce mode. Alors c'est un mode qui coûte 3,99€, qui est en fait visuellement une inspiration de ce qu'est la GP2 moderne, avec le DRS qui fonctionne, les animations du volant, de la palette, un dashboard digital assez bien foutu. Pas de licence officielle sur les pneus ni les voitures, pas de nom d'équipe, etc. puisque ça aurait été mal vu, je pense, par la FIA. Mais vous pouvez désormais retrouver plein de petits skins sympas depuis la sortie de ce mode il y a quelques jours maintenant sur Race Department également. Allez, premier tour couvert, on va en faire, je pense, 3 dans cette course normalement. Et on y va très très fort en tout cas. Et la première chose que je voudrais évoquer, pardon, avec vous, c'est l'IA qui a beaucoup de mal avec, avec ses voitures. C'est assez chiffon dans certains circuits, notamment les circuits modés. Pour les circuits d'origine du jeu, ça va, le Mugello, Spa, etc. Ça se tient encore, mais des fois on peut avoir des croisements de trajectoire qui provoquent un ou deux accidents et vous devez, je pense, relancer votre course. Sinon, vous perdez déjà la moitié du peloton. Donc ça, c'est un petit peu dommage, mais c'est pas forcément dû au mode, mais c'est un petit peu quand même sa faute. Donc voilà, alors qu'on se fait attaquer à gauche, on essaie de garder l'intérieur en deuxième. Alors sachez qu'au niveau des assistances, hop, je suis actuellement avec simplement la stabilité à 50%. Je n'ai pas d'antipatinage ni d'ABS. Et j'arrive plutôt bien à le gérer pour le moment. La voiture pas trop compliquée à conduire. Il y a quand même près de 620 chevaux. Il y en a 612 exactement dans cette monoplace équipée donc d'un moteur V8 qui peut atteindre les 320 km/h théorique. Alors regardez, oh ben voilà, oh ben voilà. Allez, quand je vous le disais que l'IA parfois pouvait faire des choses un peu bizarres, je pensais pas en avoir un si bel exemple. Donc voilà un petit peu ce qui peut se passer. Ça peut vous couper un petit peu du peloton et ça peut casser certaines courses. Alors quand ça arrive plus tard, c'est pas grave, mais en début de course ça peut vite foncer un petit peu le noircir le tableau et foncer les résultats. Bref. Donc je disais, une voiture donc de 612 chevaux avec 688 kg pilote compris minimum sur la balance. Donc ça c'est un petit peu le poids théorique, une vitesse de 320 km/h et un 0 à 100 en 2 secondes 6. Donc c'est tout à fait honorable pour cette monoplace. Alors qui est disponible pour 4€, c'est développé, développé et créé surtout par les modeurs de Racing Studio qui m'ont envoyé le mode, donc merci à eux de m'avoir permis de vous faire découvrir ce mode. Mais c'est la même boîte, en tout cas les mêmes personnes qui ont réalisé la Formula Hybride, qui est l'une des rares alternatives au mode ACFL 2017 pour retrouver des voitures semblables à ce qu'on peut retrouver désormais sur les grilles de départ avant de voir la Formula X 2017 sur Race Room et sur Project Cars 2. Et bien on a désormais j'ai fait une Verstappen. Alors ce que je vous ai pas dit, c'est que c'est ma deuxième course avec la voiture, donc j'ai encore des... Voilà, il y a encore des petits soucis à régler. Bon, c'est pas trop grave, on est là surtout pour découvrir. En tout cas, cette première course a été très très chaude. Allez, à 3 de front à la sortie du premier droit ici au Red Bull Ring. Et la première chose que l'on peut constater, je vais vous le montrer évidemment avec le montage, c'est la qualité sonore. Une fois de plus, le mode réalise un superbe son de moteur V8 qui est utilisé dans ces GP2. Normalement, c'est le nom officiel, mais cette RSS2 est très très convaincante. Franchement, c'est un pur plaisir. Le son on-board et les sons en vue extérieure sont vraiment très très bien réalisés. Je vais d'ailleurs me taire un petit peu, je vais vous laisser quelques secondes en profiter avec les plans TV ici au Red Bull Ring.
Alors c'est plutôt sympathique, je trouve, en termes d'ambiance sonore, ça fait très très bien le travail. Allez, on conclut le premier tour, on sort très très fort du dernier virage. Au niveau de l'IA, je ne vous l'ai pas dit, on est à 95% de difficulté. Et c'est tout à fait honorable pour se battre. 98-99%, c'est un peu trop élevé, mais c'est un bon mode, c'est pas un mode trop simple. On a souvent tendance à avoir des modes où l'IA est un petit peu à la ramasse. Regardez par exemple, ici on va passer à droite, on va quasiment mettre de roue dans l'herbe, ça passe. Mais globalement, c'est très très bien étalonné. On a failli mettre quasiment à l'extérieur pour avoir la place. Hop, on se fait toucher. Alors je voulais évoquer aussi avec vous un autre point intéressant, c'est que comme pour la Formula hybride, les développeurs ont pensé à quelque chose de très réaliste. Il y a beaucoup de caméras, je vais essayer de vous les passer, peut-être pas toutes, ça va être compliqué, mais il y a un soin particulier au mode qui justifie l'achat financier, c'est toujours la question évidemment. Mais le cockpit, les réalisations des jambes, l'intérieur, etc., les détails, donc les antennes, les suspensions, le DRS, le dashboard lui-même aussi qui est assez intéressant sur les volants. Tout cela a été très très bien travaillé de manière assez pointue et fine. Donc c'est plutôt cool d'avoir sorti un mode fini et le vendre plutôt que de sortir un mode en évolution, gratuit, ensuite le modé, etc. Donc la méthode est bonne et les 4 euros sont pour l'instant justifiés. Vous pourrez d'ailleurs, je pense, profiter sur certains replays et des pneus Pirelli que j'ai ajoutés. C'est un mode également disponible sur Race Department. Mais c'est vraiment, vraiment génial. Allez, demain, on va essayer d'aller attaquer les deux garçons. On a une bonne sortie. Est-ce qu'on peut essayer d'aller les choper tous les deux? On va essayer à droite. Allez, sur les freins, en voilà un. Et hop, en voilà deux. On a failli prendre les deux et finalement c'est nous qui allons nous faire avoir. Regardez, on va voir le DRS, voilà, à la sortie. Alors l'IA a du mal d'utiliser le DRS sur certains circuits quand ce ne sont pas les circuits officiels, bien sûr. Je sais qu'il existe un... Oh, un pack. Alors là, on a été forcé d'aller chercher l'intérieur. Vous voyez les freins en rouge, on touche encore la voiture numéro 17. Alors les skins, évidemment, ce sont des skins aléatoires de couleur, hein, mais comme je l'ai dit, Race Department a quasiment refait. Je pense qu'on va avoir un skin pack soon de la saison 2017 ou 2016. Ici, regardez, j'ai pris une livrée de Formule Renault 3.5, enfin Formula V8 désormais, et ça fait très très bien le travail. Donc en tout cas, un mode que je voulais absolument vous présenter, non pas parce qu'on me l'a envoyé, mais parce que je bavais dessus depuis les derniers screens que l'on avait reçus, et je pense que mes attentes étaient assez fondées, puisque le mode est une réussite. Alors, évidemment, vous allez me dire, si vous avez Race Room, vous avez déjà ce genre de voiture avec la Formula Race Room 2. Alors, est-ce que ça vaut un investissement de 4 euros? Alors, je vais vous dire tout de suite, déjà ça glisse. Si vous avez Race Room et que vous avez déjà la Formula Race Room 2, l'expérience sera quasiment la même, à part que ce sera dans Assetto Corsa. Donc, la physique n'est pas la même, mais globalement, ça reste une expérience assez similaire en termes de son, d'ambiance, de comportement, de passage en virage, de... Hop, ça suffit que je dise ça pour que je me sorte. Donc vraiment, il y a vraiment pas mal de similitudes. En même temps, c'est le but, c'est de faire une fausse GP2. Mais je préfère ce mode. Alors, je sais pas si c'est parce que c'est Assetto Corsa visuellement, etc. Mais le comportement de cette monoplace-ci est beaucoup plus racé, beaucoup plus rude, beaucoup plus violent. Ça tape un peu plus aux fesses quand t'accélères, etc. C'est vraiment, vraiment différent. Là où la Formula Race Room 2, avec son V8, semble plus souple dans le moteur, etc. On peut enchaîner les virages, c'est un autre style. Mais là, vraiment, cette monoplace dans Assetto Corsa, c'est pour moi la meilleure monoplace qui est dispo en mode. Je parle bien sûr en mode avec la McLaren MP4 13 que j'avais adoré de 98. C'est pour moi un des modes où je pense que des ligues pourraient se munir de ce mode et se faire vraiment plaisir. On vient de faire un freinage d'anthologie sur Fernand. Alors on est à Road America avec Stoffel Vandoorne. On a mis un petit skin McLaren pour vous montrer un petit peu ce que ça donne en caméra embarquée avec les différents caméras. Je crois que sur cette course-ci, je vais vous montrer un peu aussi différentes caméras.
mais c'est très très sympa de voir déjà les skins disponibles. Alors sur un circuit comme celui-ci qui est modé en version 1.0, qui n'est pas exceptionnel, on va voir un peu comment l'IA se comporte, mais pour l'instant c'est assez convaincant. Un peu plus que notre pilotage, parce que attention parce qu'on a Alonso qui va revenir à l'extérieur. Oh, il va nous passer, fermement, incroyable. Alonso qui a réussi à être le plus rapide là, sur ce couloir, essayer de faire l'intérieur à l'espagnol, ça passe. En tout cas, un circuit ici très long et très compliqué, mais qui convient bien. C'est-à-dire que les moteurs des voitures ne sont pas trop un problème. On n'a pas de problème de capacité, même sur les grands circuits comme le Mugello, etc. On a tellement une boîte longue, on a tellement de couple dans le moteur, ça ne va pas être du tout un souci de faire s'exprimer la voiture sur des grandes et longues pistes. Et ça, c'est plutôt cool de la part des développeurs, de ne pas les avoir non plus un peu plus bridés que les Formula hybride d'ailleurs 2017. Je vous laisse encore une fois profiter du son en onboard parce qu'on n'a pas encore beaucoup entendu, je pense. Et on verra, enfin je verrai bien un petit peu comment se passe le montage, mais je vous laissais un peu quelques plans en vue onboard et en vue extérieure encore de ce mode parce que vraiment, je vous invite à vous poser, monter le son et profiter comme si vous étiez vraiment devant une course de GP2. Allez, le DRS, voilà, c'est kiffant. Voilà donc pour la présentation de ce mode RSS Formule 2, donc RSS 2 pour Assetto Corsa, avec donc une monoplace monomodèle très très sympa à piloter. Je vous invite vraiment à investir les 3,99€ pour soutenir les développeurs. Si ce genre de style de voiture vous intéresse, franchement c'est une très bonne pioche. C'est très sympa comme mode, honnêtement. Alors si la formule hybride vous a un peu dégoûté parce qu'elle était un peu trop compliquée, ici on sent vraiment l'aéro en virage et tout, et c'est très 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 fun. Voilà, merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode du mode d'Alamand. On va essayer de le choper lui dans la ligne droite. On se donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, bon amusement en piste, quelle que soit votre simulation favorite. On va créer une troisième ligne, allez, on va à l'intérieur avec Stoffel, incroyable. Et ça ne passe pas. Allez, à la prochaine les amis. Merci à tous, salut.